Hey, salut à tous mes amis, c'est Léla, Farge Pokémon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, mes côtés c'est un extra, c'est super. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Go en France. Je vais au parc de la Villette et surtout je vais retrouver mes potes que j'ai pas vu depuis 3 semaines. Je vais faire une petite chasse au parc de la Villette comme au bon vieux temps il y a 3 semaines, un mois, voir ce qui se passe un petit peu là-bas. J'ai prévu de vous faire une belle séance d'évolution, vous faire quelques évolutions sympathiques, voilà, et essayer de trouver un petit Pokémon rare là-bas. Et sinon, passez surtout un bon moment mes amis, rappelez des souvenirs. Je vais également vous présenter une application mes amis qui est super sympathique. D'ailleurs je vous dis mes amis, c'est un placement de produit, je suis sincère avec vous. Bah, elle est vachement sympathique et je vous montrerai pourquoi. Parce qu'on peut faire quelque chose avec Pokémon Go. Super. Et là-dessus mes amis, je suis très content de faire une vidéo au parc de la Villette. Et du coup je vous dis bon visionnage. D'ailleurs si vous êtes content que je fasse une vidéo au parc de la Villette, n'hésitez pas à laisser un big pouce bleu. Et écoutez, à tout de suite. Premier Pokémon de cette chasse sur un Spectrum, c'est parti. Alors il a 577 PC, c'est plutôt pas mal. Du coup on est au parc de la Villette, on est avec Alex, ça faisait longtemps. Combien de temps ça faisait Alex bro? Franchement, ça faisait au moins faisait presque 3 semaines, non? Ouais, 3-4 semaines. Ok, donc du coup c'est la première chasse depuis très longtemps, depuis très 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 longtemps en France. C'est combien de temps? 2 semaines et demie. 2 semaines et demie que j'ai pas joué. Allez, joli lancer, c'est parti. Allez, allez, allez. Allez. Et 3, c'est bon, très bien, très bien, très bien. Du coup, premier Pokémon capturé, c'est un Spectrum, et j'espère qu'on va avoir pas mal de chance, j'espère qu'on va avoir un Pokémon rare. Bien sûr, on fera une petite séance d'évolution, et puis après, on verra ce qu'on aura en fin de chasse, voilà. Ok les gars, deuxième Pokémon, c'est un Chétiflore. En fait, depuis tout à l'heure, on discute, mais je chasse pas trop, sans vous mentir. Il n'y a pas grand-chose, hein, il n'y a pas grand-chose, on est juste sur quelques leurs, il y a pas mal de Pokémon, mais il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire. Du coup, petit Chétiflore, ok. Tentacool, c'est pas mal, ouais. Ouais, ça va. Du coup mes amis, je viens de faire aussi, je viens d'apprendre qu'il y a des nouveaux spots sur Paris, des trucs vachement sympathiques, du coup on ira faire des prochaines vidéos là-dessus, donc du coup dites-moi en commentaire si vous voulez, et bah écoutez, je lirai vos commentaires et j'attends vos avis. Il y a un petit Staryu, on va prendre aussi le Staryu je pense, et après je pense qu'on se fera une petite séance d'évolution, ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'évolution, je pense que je peux en faire pas mal. Petit Staros aussi, vous savez que j'adore Staros, c'est parti, allez, allez. Seulement 2, ah ouais, Staryu la joue comme ça, c'est pas grave, on y retourne. Et 3, très bien, parfait, parfait, parfait. Du coup on se dit tout de suite mes amis. Ok, du coup on se retrouve pour l'évolution en Draco plus Dracolos. 202 bonbons, ah ouais, 202 bonbons. Du coup c'est parti, vous l'aurez remarqué, bien sûr c'est pas mon joueur. Mais c'est combien? 711. 711, ah ouais. Je regarde pas les EV, il a raison, il a raison. Non, il a pas raison. Niveau combien? 28. Ah c'est triste hein, j'ai un 720, il était pas bien en hiver. Du coup Draco, moi je dirais qu'il a 1347. 1280. T'as dit combien? 1280. Ah pas mal, pas mal, ouais. Pas mal, pas mal. Quel mec a saigné le jeu. Et du coup attends, le Dracolos j'arrive. 1500 et des poussières. Moi je dis 1602. Ah tu vois même pas, très, il a lâché un 1600. 1602. 2500. 2500. Oh, 2600. Ah ouais. Bien ouais. 1602. Mais 2602, pourquoi je dis 2602? Mais ouais, mais je me suis trompé. Eh, j'étais presque hein. Ok, et bah écoutez très bien. Et du coup c'était Jérémy 94 400. Et donc mes amis, bah écoutez, on se retrouve pour vous présenter une petite application que mon papa m'a fait découvrir en Espagne. Cette application mes amis s'appelle Nextfreeze. Donc tout simplement mes amis, c'est une application où on prend des petites photos et on arrête le temps, on crée des freezes. Donc cette application mes amis est gratuite, elle est disponible sur iOS et Android. Donc tout le monde peut l'avoir normalement, ou quasi tout le monde. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur cette application qui s'appelle Nextfreeze mes amis? Donc le but est très simple, c'est un espèce de réseau social où on crée des freezes. Donc qu'est-ce qu'un freeze? Un freeze mes amis, tout simplement, c'est une photo, un événement qu'on va créer, où il faut prendre une photo et tout le monde donc, qui participera à ce freeze prendra une photo au même moment et la partagera avec vous. Donc imaginons, petit exemple, après je vais vous en faire un. Imaginons mes amis, donc là je vais vous en présenter, petit exemple. Imaginons, il y a un freeze là maintenant dans 2 minutes où faut montrer ses pieds. Je ne sais pas, montrer une voiture. Et bah vous prenez au moment venu du freeze la voiture et tout le monde en même temps prendra sa voiture et vous verrez plein de voitures de votre freeze. Donc tout simplement, là je vais vous en présenter quelques-uns. Donc là imaginons, il y en a plein. Vous voyez défiler, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc là par exemple, il y a un freeze Paris Games Week. Donc je vais y participer.
C'est un excuse, pas Gains 8, donc c'est fait un selfie. Alors là, bon, il y a marqué plein de choses. Donc c'est Next Freeze, il démarre dans 30 jours, 11h, 9 minutes et 55 secondes. Il sera le jeudi 27 octobre. Donc c'est un freeze, mes amis, tac, où faudra se prendre en selfie selon la description. Donc faire un selfie au salon de la Paris Games Week à Paris. Donc bah, lors de ce freeze, il faudra tout simplement se faire un selfie et tout le monde, mes amis, verra votre selfie. Donc nous, on va en créer un. Donc c'est parti. Alors, tac, on va aller sur notre profil. Donc, mes freeze, créer un freeze. Donc, next freeze. Là, je vais en faire un avec une carte Pokémon. Regardez. Je vais l'appeler David Lafarge Pokémon. Tac, David Lafarge Pokémon. Carte. Bon. Hop, voilà. Prenez en photo une carte Pokémon que vous avez sous la main. Tout simplement. Une carte Pokémon que vous avez sous la main. Tac. Alors attendez, je fais des petites fautes, voilà, que vous avez sous la main. Voilà, tac. Hop, et je la mets en public et on l'organise tout de suite. Créer mon freeze. Donc là, je vais ajouter une photo. Donc là, tout simplement, mes amis, eh bien, écoutez, vous voyez mon visage, voilà, bonjour, bonjour. Je vais retourner l'écran et je vais prendre en photo une petite carte Pokémon. Donc là, celle-ci, malheureusement, bon, avec le temps, elle brille un petit peu moins, mais c'est pas grave, c'est un beau Metalos. Voilà, le freeze est créé. Je clique sur créer mon freeze et voilà. Félicitations, votre freeze vient d'être créé. Donc vous pouvez partager vos freezes sur Facebook, sur Twitter ou sur les autres réseaux sociaux. Tout simplement. Tac. Hop là. Et mes amis, ce que je vous propose, donc voilà, mon freeze a été créé tout simplement. Et ce que je vous propose, mes amis, c'est qu'on se crée un freeze entre nous. Si vous voulez, voilà. Ça va être très fun. Le but est très simple, mes amis. On se crée un freeze pour, allez, je ne sais pas, on va dire fin octobre, on va dire, allez, pour le 30 octobre. On se crée un freeze. Je vous propose 30 octobre 18h. Il y aura toutes les informations en description. 30 octobre 18h. On crée un freeze où on prend tous en photo notre Pokémon Go qui est devant nous. Notre Pokémon de Pokémon Go qui est devant nous. Voilà, petit défi, petit challenge. On se donne tous rendez-vous le 30 octobre pour se créer un petit freeze. Et donc du coup, mes amis, bah, écoutez, j'espère que ce petit moment où je vous présente une application vous aura plu. Et on retourne tout de suite à la chasse Pokémon Go. Tout de suite. Très bien. Ok, on reprend la chasse. On part avec un mini Draco. C'est le premier mini Draco de la soirée. Donc maintenant au parc de la Villette, mes amis, il y a des neufs. Donc on ira faire un tour aux neufs évidemment. J'irai vous montrer ça. Bon, sans SPC c'est pas énorme, on va quand même le prendre. Je sais même pas combien j'ai de bonbons mini Draco. J'en ai strictement aucune idée. Ok, très bien. Très très bien, du premier coup. 95 bonbons. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et il y avait un petit Nidoran, on va prendre le Nidoran aussi. Allez, c'est parti, joli lancé. Allez, deux. Eh, t'as mis niveau 3, 2850, c'est vraiment rien du tout, il était vraiment mauvais ton niveau. Donc on est reparti pour les Nidorans, j'ai mis une petite Beframby, j'y vais à la Super Bowl. Allez, allez, allez. Et 3, très bien, ok. Ok, ok, mes amis, très bien. Du coup, après, je pense qu'on va aller au 9, je vais vous montrer ça. Même moi, j'ai pas vu, donc j'ai hâte de voir ça. Et peut-être qu'on ira sur un petit noix de coco, ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Ok, mes amis, du coup, Alex va nous prévenir. On a trouvé un Magikarp à 199. C'est un Magikarp assez abusé, on va pas se le cacher. Du coup, c'est parti, on va y aller à l'Hyper Ball. Ah ouais, 190, c'est notre deuxième, c'est notre deuxième. Et le premier, d'ailleurs, il avait bugué, gros, tu te rappelles ou pas? Ah non, c'était pas celui-là. C'était celui-là. C'était un 199? Ouais. C'était pas un 197? Non, c'était celui-là. Ok, d'accord, propre. Et du coup, je l'ai eu du premier coup. Très bien. Très bien, on va peut-être se faire évoluer. Ah, les IVs. T'as assez toi de bonbons? Ouais, j'en ai 800 des bonbons. En même temps. Ok, mes amis, du coup, regardez. On se dit à tout de suite pour le Léviathan. Tout donc pour la double évolution du Magikarp qui avait 199. Alex, il l'a boosté. Alors, oula, oula, faut pas que je le recharge, c'est bon. Donc du coup, faire évoluer. Ah. C'est parti, ouais, j'ai galéré. Allez, double Léviathan, mes amis, let's go. Ça fait plaisir. Je vais encore avoir Ouragan et toi Hydrocanon. Non, 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 non. C'est quoi les attaques d'ailleurs? C'est Draco Griffe Hydrocanon. C'est ça? Non, c'est mort sur Hydrocanon. Mort sur Hydrocanon? Mais tu l'as... Où il a des griffes lui? Je sais pas gros, je sais pas. J'ai eu de l'inspiration sur le choc. Ah, c'est Draco Choc. Pourquoi j'ai Draco Griffe, j'avoue. Ouh, mort sur Hydrocanon. Ah, oui. Mort sur Hydrocanon aussi. Ah ouais, ça fait plaisir. Très bien mes amis, très très bien. Ah, ça fait plaisir. Et du coup, il est atterri à 2105, il est pas au max. Il a 75% d'IV, c'est ça? Non, 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 il est, je crois, il a 88 ou 89. 88, 89% d'IV, bah écoutez, c'est parfait, c'est parfait. Et c'est bien, mort sur Hydrocanon, c'est bien, franchement, les meilleures attaques, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ouais, je peux peut-être même le recharger, oh, je sais pas, on verra ça plus tard.
Ok, du coup mes amis, on enchaîne tout ça avec un mini draco, c'est le deuxième de la soirée. Là c'est bon, ça commence à se mettre en route, c'est plutôt pas mal. 259, c'est pas terrible, mais c'est pas grave, on va retenir les 4 bonbons. Allez, c'est parti. Pour l'instant, il n'y a aucun Pokémon qui s'enfuit. 2. Ouh, il a failli s'enfuir. Ouh. Allez, on y retourne. 1. Et 2. Il n'y a pas dans le leurre. Ah d'accord, c'est bien parce que j'ai dit il y a encore aucun Pokémon qui s'enfuit et celui-ci s'est enfui. Ok, du coup on va au leurre, apparemment il y a un beau Pokémon. On enchaîne avec un petit racaillou. C'est bien, il y a plein de Pokémon diversifiés, ça fait vraiment plaisir. Allez, 1 et 2 et 3, il avait très peu de PC donc c'est facile, très bien. Et apparemment il y a un Carabaf mais je sais pas où il est. On va avancer par là et on verra. Ok, du coup on enchaîne tout ça avec un petit Totaria mes amis. Franchement on a que du bon, ça fait plaisir. 70 PC, ça va être très simple à attraper. Moi ça m'arrange, du coup je prends que ça pour les bonbons. Allez, allez, allez. Parfait, franchement c'est parfait. Et ça fait tellement plaisir de se refaire une petite chasse à l'ancienne. J'espère vraiment que ça vous fait plaisir à vous aussi. Du coup 48 bonbons, ah ouais, on va peut-être pouvoir se faire un petit Lamantine. On enchaîne tout de suite avec un petit Carapuce. Franchement c'est vraiment pas mal. Du coup là il est juste là mec. Et là du coup on est des 9-9. Du coup je vais essayer de vous en prendre 2-3. Mais voilà, maintenant c'est spot à 9-9 et j'ai hâte de vous montrer ça. Alors petit Carapuce. Ouais, 639 hein. Le petit Carapuce. Tac, on va y aller à la Super Bowl, ça devrait suffire normalement. Joli lancé, c'est parti. Allez, 1 et 2 et 3, très bien. Petit Carapuce et on va aller chercher 9-9 maintenant. Ok, du coup voici le premier des 9 mes amis, il y en a partout, il y en a vraiment partout. Il y en a partout mes amis, c'est abusé. À la place des Kabuto du coup, avant c'était les Evoli, avant c'était les mini Draco, et maintenant c'est les 9-9, très bien. Allez c'est parti. On devrait l'avoir facilement. Mais du coup pour farmer notre coco c'est plutôt pas mal. Très bien. Premier 9-9, peut-être que je vous en filmerai 2-3 pour vous montrer. Ok mes amis, on reprend la chose, du coup on a été mangé. Et du coup là on reprend un petit peu tranquillement. Donc on va prendre un petit Totaria. Il y a peut-être un mini Draco. Et après mes amis on va faire directement une séance d'évolution. Voilà, donc là je suis toujours à la Villette mes amis, c'est le fait d'aller à la Villette. On profite à fond. Voilà, donc du coup petit Pokémon enfuit et on verra ce qu'il y aura. Et s'il n'y a pas de mini Draco qui est dans le radar ici, et bien écoutez je vous fais une petite séance d'évolution. Alors on retrouve pour un petit œuf, c'est parti, c'est Alex. C'est un œuf combien tu sais ou pas? 5 je pense. Ah ouais, Ramolos. Franchement, je suis content. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Eh, il y a plutôt de Ramolos que ça, si. Ah bah si, en fait, on les prend pas, c'est tout. Évalué. Il a combien? Ah, il est pas bien. Pas bien. Ok, du coup, on enchaîne avec un mini Draco. Le mini Draco est ici, mes amis, c'est parti. Et après, la petite séance d'évolution. Il a 490. On va y aller à la simple Pokéball, je pense. C'est parti. Allez, 1. 2. Et 3. Très bien, ok. Bon, vous êtes tout de suite pour la séance d'évolution. Ok mes amis, on se retrouve pour la séance d'évolution, donc c'est parti, moi je vais commencer avec un petit Arbok, ça fait toujours plaisir. Également, il y aura Alex qui va me rejoindre pour faire quelques évolutions, et voilà. Donc c'est parti, on fait d'abord les miennes, après on va faire les siennes, et on espère que ça va être cool quoi. Par contre, on va peut-être enlever la musique, voilà, tac. Donc un petit Arbok mes amis, très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors... Ouais, 1200 c'est plutôt pas mal, on va le favoriser. Acide et Vibrosque, je pense pas que ce soit les meilleures attaques. Je peux faire un Réchou, mais ça servira pour une prochaine vidéo, je vous expliquerai tout. Là, on va peut-être faire un Nidorina. Alors, on va se faire un petit Nidorina, je sais pas combien ça va donner, mais je sais que 628 c'est plutôt pas mal. Donc, let's go, c'est parti. Ouais, mes amis, ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'évolution. Franchement, ça fait tellement longtemps. Il y a Flagados, ouais, bah je fais les évolutions, gros, tant pis. Tant pis pour moi, c'est pas grave. Il est quand même hein. Du coup, le petit Nidorina, il a 1023. Ah ouais, 1023, d'accord, je crois que c'est mon record. Je crois que 1023, c'est mon record, mes amis, je vais pas vous cacher. Est-ce que je peux faire... Les gars, Nidorino 754, c'est bien ou pas? Pour faire un Nidoking? Pas du tout. Pas du tout, d'accord, ok, on a la réponse directe. On aurait pu faire un Nidoking, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut se faire un autre Pokémon? Oui, on peut s'en faire pas mal. On peut se faire peut-être même un... Ah non, même pas de Persian, d'accord. Même pas de Persian, mes amis. On peut se faire un petit Aquaquoi, que ça faisait longtemps. Allez, c'est parti. Donc là, toujours à la Villette, mes amis. La Villette, hein. Spot à Aquaquoi, qu'il y en a partout. Combien il peut avoir celui-là? Je sais même pas. Franchement, mes amis, je sais plus du tout combien ça peut avoir de PC. À force de plus trop jouer, bah écoutez, je sais plus trop.
C'est parti, il a 1328, d'accord, pourquoi pas. Je sais que je peux faire un tartare. Est-ce que je fais le tartare? Tétarte 744, les gars, ça passe ou pas? Non. Ça passe pas? 744 le tétarte? Non, franchement non, un tétarte pas du tout. Ah, tétarte, non. Bon, vas-y, petit tartare 519, je fais évoluer, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. On est, vas-y, on va faire un petit tartare. Ouais, bah ouais. Ouais, j'ai un scoporie type merveilleux. Un petit tartare. Alors du coup, là faudrait qu'il ait plus que 700, on va voir ça tout de suite. Ouais, un petit tartare, mes amis, ça fait plaisir, c'est un bon Pokémon tartare. C'est vraiment, vraiment un bon Pokémon. Alors, ça donne quoi du coup? Ça donne 900, ah ouais, carrément. Bah écoutez, 900, on va le faire évoluer direct, hein. Allez, 100 bonbons, ça coûte quand même 100 bonbons, mes amis, je viens de claquer 100 bonbons. Allez, mon pote. Le petit tartare. Ah ouais mes amis, ça claque. Ça claque et du coup j'espère 1400 moi. 1400 c'est pas mal. 1730. Et les gars, 1730 le tartare. Hein. Pas mal. Pas mal, non, franchement c'est pas mal. Ça fait plaisir. Ah ouais, très bien. En fait, monter, ouais, il va bien monter. La reine, c'est extraordinaire. Ah ouais, du coup je peux faire un Flagados. Allez, Flagados avec un Ramolos 754, c'est parfait. Bon, je peux en faire pas mal, mais j'attends toujours d'avoir des bons Ramolos. Donc là, on va en faire un pour le fun. Et après, du coup, est-ce que Alex a choisi ses Pokémon à faire évoluer? J'ai un Staryu du futur. Il a un Staryu du futur, apparemment. Il a combien? 699. Il a 15 attaques, 15 défenses. Ah ouais, pas mal. Donc eux, en fait, ils regardent surtout les IV. Moi, je regarde surtout les PC pour l'instant. Après, de temps en temps, je regarde les IV. Je vous ai dit, je me prépare une petite team. Je fais ça secrètement. Voilà. Je peux faire un Lamantine aussi. Allez, c'est parti. Mes amis, grosse séance d'évolution. Ouais, pour mon niveau, il est... Bon, est-ce que Alex, c'est une vidéo, il y a au moins une évolution que tu veux faire ou pas? Dis-moi. Là? Ouais. Mais je peux faire Staros, je peux faire un très bon Sablero, un peu tout, je t'ai dit. Oh, ça claque, Lamantine. Ah, ça fait plaisir d'avoir Lamantine. Bon, écoute, vas-y, viens, on se fait un Staros tous les deux en même temps. Ok. Non, toi aussi, tu veux faire un Staros? Putain, je peux toujours pas faire de gros tas de morphes, c'est vraiment abusé. C'est trop compliqué à faire, j'en ai capturé deux. Ah ouais, 9, je peux faire un autre coco aussi. Ouais, ça va bien. Espérons qu'un de nous est plus... Eh, je peux faire un truc qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, je peux faire... C'est un quoi? Poisson roi, mais non. Non, on va pas faire de poisson roi, gros, on va pas faire de poisson roi. Bon, vas-y, on fait tous les trois un poisson roi ou pas alors? Un Staryu ou poisson roi, les gars? Poisson roi. Allez, poisson roi, les gars. Vas-y, alors attendez, on va se reculer. Vas-y. Attends, je suis bloqué. Attends, on s'attend. Alors on appuie une fois pour l'instant, on est tous prêts. Allez, à 3. Attends, vas-y, mets-toi bien avec nous, vas-y. Voilà, tac. Allez, 1, 2, 3. Alors, on est bien là. Je suis plus rapide. Ah, on est en même temps, je crois. Ouais. Eh, il se lève bien en même temps. Ah, on est pas mal. Et on t'attrape, Alex. Non, regarde. Qui aura la plus grosse corne? Qui aura la plus grosse corne, Dema? Attends, il est où mon porte à moi? Ah oui, c'est celui-là, d'accord. Putain. Je t'ai paumé, gros. Je t'ai paumé, c'est celui-là à droite, le mien. Il a combien, vous? Pic-pic, Megacorn. Ah, t'as les pires attaques. J'ai pic-pic, Vanglas, c'est quoi ça? Direct. Ouah, t'as 1600, moi j'ai 1400. Ouais, mais moi, au niveau des IV, il a 15 attaques, 15 défenses. Bah moi, il a pic-pic, le mien. Bien. Ok, mes amis, du coup, je pense qu'on va... Allez, moi, je me fais un Staros. Attends, on le fait tous. Ah bah, les gars, vous êtes des gamins, putain. Bon, bah, comme vous voulez, les gars, dépêchez-vous. Hein. Vas-y, vite. Il est où, Starry, déjà? Le mien commence à s'élever lentement. Ou pas? Ah ouais, comment ça fait plaisir de voir un Staros? Il a fait un cri. Ouais. À moi. Alors attendez, le mec il a 1660, pas dégueu. Il a quoi? Il pistolet. Oh, rayon gemme. Tristesse. Hup, Mojo. Pistolet au rayon gemme aussi, là au 1793. Est-ce que je vais sauver l'honneur? Et quand même 1793. Ah, 1793, c'est pas mal. Non, franchement, c'est pas mal. Sauver l'honneur. Et attention. Minus Staros. Ya, pistolet. Oh la chance. 1650. Du coup, mettons votre Staros pour qu'on compare, les gars. Viens les gars, on compare. Je crois que le grand gagnant est au milieu. Parce que j'ai les bonnes attaques et bonne IV. GG les gars. Bien joué. Bon, du coup, mes amis, j'espère que ça vous a plu cette petite séance. On reprend la chasse, mes amis, avec un hypocéan. Avec un hypocéan qui est juste ici. Tac, il est juste là. J'arrive pas à cliquer dessus, ça va me faire une ronflex. Ça va me faire une belle ronflex. Non mais regardez-moi ça, sans déconner, c'est vraiment abusé. Non mais what?
Non mais ça c'est pas possible ça. Ça pour la 2G quoi. Il y aura non mais ça c'est ça c'est le pire ça. Folie, ça c'est le pire mais moi je sais gros mais c'est ce que je fais là. Voilà. Il va garder les mêmes clips aussi. Très bien. Et allez, très bien, on l'a eu. Ok. Bon j'ai pas mal galéré, on va pas se cacher. Bon, un petit hipposant qui apparaît comme ça au hasard, ça fait toujours plaisir, il a 1150. Dracosouf hydrocanon, c'est pas mal ça les gars, non? Oui. Pas mal du tout. Attaques, hein. Ok mes amis, regardez tout ce qu'il y a comme Pokémon, et là il y a un petit Nidorino, du coup je vais vous le filmer celui-ci. C'est pas mal un petit Nidorino. Tu vas être déçu, hein. Bah je clique dessus, ça fait rien. Pourquoi ça fait rien? Quoi? Ton portable, il veut pas t'infliger ça. Mais mes amis, c'est quoi ce bug? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Des zooms et tourne, des zooms là-bas. Quoi? Mais... Des zooms et tourne ton écran là-bas. Mais c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Dézoomer, attends, je fais plus. T'as peut-être freeze. Ah ouais, mes amis, ah là là. Ok, du coup, le petit Nidorino est ici, mes amis. Donc c'est parti, on va le prendre, il y a pas mal de Pokémon. On continue cette petite stage, donc je sais pas quand on va arrêter la vidéo, je ne sais pas. Je crois que ça fait longtemps qu'elle dure cette vidéo, mes amis. Mais c'est pas grave, écoutez, on verra bien. Et puis on reprend en beauté la part de la Villette, tout simplement. Et un petit Nidorino en plus. On a encore un mini Draco, mes amis. On a encore un petit mini Draco, ça fait plaisir. Et du coup, ouais, bah écoutez, mes amis, la chasse est plutôt sympathique. Il n'y a pas vraiment de Pokémon très très rares qui apparaissent. Écoutez, ça se décide pas. On peut pas toujours tout avoir, mais écoutez, c'est déjà pas mal. Il est juste à la mini Draco, les gars. Et ok, très bien, très très bien. On part pour un 9. Ok, c'est le fail, c'est pas grave. Vas-y, Alex, c'est un 9 combien, gros? Je sais pas. 2, 5. C'est un 2. On nous dira. Ah, c'est un 5. Pas mal. Petit Nidoran. Il y en a un autre ou pas? Je pense pas, mais on va voir. Ok. On repart pour un 9, mes amis. C'est parti. Allez, Eric. C'est un combien ça? 2 ou 5. Possible 2. Un petit starter. Jamais des 10. Ouais. Ah ouais, un petit starter, un tout petit. Pas mal. Je crois que je l'avais jamais eu. Non, ah, pas mal. Ouais, c'est parti. Encore un 9. T'as failli le faire disparaître en appuyant deux fois. C'est vrai? Oh là là. Après Chenipan. C'est bien. Encore un 9. Oh Pikachu, pas c'est Pikachu. Il suivait. Enfin, j'ai pas filmé l'animation, mais il y a eu un petit Pikachu. Simple. Allez, c'est parti, encore un 9. C'est pas moi qui fais ces bruits, hein, je préfère le dire. Encore Chenipan. Bon bah. Il y en a un autre ou pas? Je sais pas, je crois pas. Oh.